Brest, Perpignan, à l'Ouen-Zart. C'est un loto français et provençal, donc dans les deux langues. C'est un loto populaire, avec on essaie de rien acheter. Donc c'est que des dons des commerçants et des artisans de la commune. Et le gros lot, c'est un mouton. La prochaine grosse manifestation donc, qui aura lieu au Brûlat, c'est le carnaval, bien entendu, qui aura lieu le 10 mars, en espérant qu'il fasse ce temps-là. Et plein de surprises en perspective. Il y aura un défilé, donc on fait le tour du village, on fait le procès des caravantrans et on brûle caravantrans sur le jeu de boulot.